Venez, vous qui craignez Dieu, écoutez que je vous dise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est un jour de fête, frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine, Sainte Élisabeth. Chaque fois que nous célébrons la Vierge, c'est un moment de joie pour nous, surtout nous, franciscains de Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles aux souffres de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a lavé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes ennemis défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne subisses plus l'humiliation. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel merveilleux hymne! Quel hymne à l'humilité! Le Magnificat, c'est cela. Hymne à l'humilité. Mais l'humilité prononcée, proclamée par une personne qui, du point de vue humain, devrait porter des galons, devrait avoir des médailles et pourrait même se dire, oui, la force de mes efforts, et pourrait dire la conséquence, le prix de mes sacrifices. Marie remet tout entre les mains de Dieu. Elle est consciente que c'est Dieu qui fait tout. Alors qu'elle est l'Immaculée, alors qu'elle n'avait pas de péché, même pas le péché originel. Nous ne savons pas si elle était consciente qu'elle était sans péché originel. Mais cependant, elle est restée humble. Celle-là qui savait en elle qu'elle portait le Sauveur du monde. Celle-là qui savait qu'elle portait le Tout-Puissant. Parce que l'ange le lui avait dit. Elle est restée humble. Elle ne dit pas, je l'ai mérité. Fruit de mes efforts,
Je ne dois rien à personne. Je l'ai gagné par mon travail. Elle ne dit pas cela. La Vierge, la parfaite, l'humilité, se proclame la servante du Seigneur. Elle est l'humble. Elle attribue tous ses bienfaits à Dieu. C'est là l'enseignement, chers frères et sœurs. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort disait que Dieu avait remarqué la Vierge pour sa pureté, mais s'était incarné en elle pour son humilité. La vertu de la Vierge, la vertu de Marie, l'humilité. Essayons-nous aussi d'imiter notre mère quand nous vivons à imitation de ceux-là qui nous ont tracé la route de la foi. Quand nous vivons en imitation de ceux-là qui nous ont montré la lumière pour arriver jusqu'à Dieu, alors nous sommes nous aussi sur la bonne voie. Imitons donc notre mère dans cette vertu qui est la plus grande en elle. Elle a toutes les vertus, mais celle-ci est la plus grande, la grande des vertus de la Vierge Marie. Imitons-la. Essayons de rendre justice à Dieu, justice à celui-là, grâce à qui nous faisons tout ce que nous faisons de bien. Oui, nous collaborons avec la grâce, bien sûr, nous faisons des efforts pour faire le bien, et parfois c'est difficile, que c'est difficile de faire l'aumône, que c'est difficile de pardonner, surtout ceux-là qui nous ont fait tant de mal. Que c'est difficile d'accepter les croix de la vie. Que c'est difficile l'éducation des enfants. Que c'est difficile, que c'est difficile. Mais notre mère a tracé le chemin. Elle a été à côté de celle-là qui avait besoin d'elle. Elle avait les yeux ouverts. Elle savait que sa cousine, Sainte Élisabeth, avait besoin d'elle parce qu'elle, enceinte à un âge avancé, avait besoin d'une main, une main plus forte, la main d'une jeune. Et la Vierge a ouvert les yeux. Elle s'est rendue aux côtés de sa cousine pour lui prêter main forte. L'Évangile dit qu'elle est restée avec Sainte Élisabeth environ 3 mois. Donc elle a attendu que cette ancienne accouche celui-là qui sera le précurseur, Saint Jean-Baptiste. Imitons la Vierge, faisons justice à Dieu, disons-lui Seigneur, c'est toi qui me fais lutter contre le mal, c'est toi qui m'aides à porter ma croix, c'est toi qui me donnes la grâce de pouvoir m'éloigner du malin. C'est toi qui me donnes la force de pardonner même ceux-là qui me font tant de mal. C'est toi qui me donnes la force de porter cette croix, cette maladie, ces souffrances. C'est toi qui me permets de prier pour ceux-là qui me font du mal, qui sont mes ennemis. C'est toi, Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur parce que c'est lui qui est la source de tout bien. La Vierge le dit, le Puissant fit pour moi des merveilles. Et le Puissant fait en nous tous des merveilles. Rendons justice à Dieu. Il mérite que nous lui rendions justice. Il mérite que nous le disions, peut-être pas avec un hymne aussi merveilleux, mais avec nos propres paroles. Mon âme exalte le Seigneur, parce que j'ai reçu tant de grâces de lui. Parce que j'ai reçu tant de dons du Seigneur, mon âme l'exalte. Il est reconnaissant de dire ces paroles à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ces dons. Que mon âme t'exalte. Parce que tu as comblé de bien cet affamé que je suis. Parce que tu as relevé ce serviteur que je suis. Mon âme t'exalte. Imitons la Vierge, avec la grâce de Dieu bien sûr,
Elle reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'elle a reçu tant de dons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré, qu'il soit exalté, et que la Vierge soit bénie, notre mère. Que la Vierge soit notre modèle à imitation d'elle. Que la Vierge soit notre avocate auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour très important, un grand jour pour nous. Le canal qui transmet ces célébrations porte justement le nom de cet hymne, Magnificat Télévision. Et ce canal s'appelle ainsi pour un motif. La Vierge Marie, quand elle va voir sa cousine, elle a déjà en son sein le petit bébé Jésus. Nous ne savons pas combien de temps elle avait déjà, peut-être un mois. Mais elle est déjà enceinte. Marie est donc comme le tabernacle, comme la custode qui porte Jésus en elle. Mais elle va voir sa cousine. Elle va rendre présent le petit Jésus dans la maison de sa cousine, Sainte Élisabeth. Elle porte Jésus pour les autres. Et c'est cela le motif de ce canal. Porter Jésus dans ces maisons de ces personnes qui ne peuvent pas se rendre dans des paroisses pour des raisons multiples, des raisons d'âge, des raisons d'emploi du temps, des raisons, je sais pas, de distance avec les paroisses. Et ce canal veut symboliquement être cette custode, ce tabernacle qui porte Jésus dans ses maisons. Et la Vierge nous a toujours accompagnés. Nous avons toujours reçu des bénédictions de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, pour aller visiter ceux-là qui ont besoin de la parole, de la présence de Jésus dans leur maison. Et c'est aussi une occasion de dire merci à tous ceux-là qui nous reçoivent et de leur transmettre nos bénédictions et nos humbles prières. Que la très sainte Vierge Marie vous visite en compagnie de son Fils. C'est pour nous un motif immense de joie, le fait d'être utile au Seigneur, le fait d'être un instrument qui porte Jésus dans les maisons, dans les familles, aux anciens et aux malades. Que la Vierge continue d'intercéder pour nous et que nous aussi nous puissions vivre à imitation de celle-là qui a porté Jésus à sa cousine Sainte Élisabeth. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Élevons nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession de la Vierge Marie, pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur rende visite, pour que la Vierge, tabernacle de Jésus-Christ, apporte chez eux le salut et surtout le réconfort du Christ. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal Magnificat Télévision, en ce jour où nous sommes en joie de célébrer, entre guillemets, le baptême
de notre canal pour que le Seigneur continue de nous combler de ses grâces, qu'il continue de nous bénir, qu'il continue de nous illuminer. Et pour tous ceux-là qui nous suivent, que la Vierge Marie entre dans leur maison en présence de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous, Jésus, fils de Marie. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons. Comme tu as aimé la charité empressée de la Mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.